Le dernier look de Melania Trump fait couler beaucoup d'encre. Lors d'une visite aux enfants sans papier à la frontière mexicaine ce jeudi 21 juin, la première dame portait une veste au message très mystérieux. Jeudi 21 juin, Melania Trump s'est envolée direction le Texas pour rendre visite aux enfants sans papier, habillée d'une veste kaki de la marque Zara selon les informations rapportées par le Daily Mail. Dans son dos, un message bien mystérieux qui a attiré tous les regards, « I really don't care, do you ?» qui veut dire en français « Je m'en fiche complètement, et vous ?» En pleine polémique sur la politique migratoire de son mari Donald Trump, cette veste a tout d'abord suscité une levée de boucliers. Indigné, le démocrate Zach Petkana a tweeté ce message « Ce n'est pas une blague ». Melania Trump portait une veste disant « Je m'en fiche complètement, et vous ?» pour se rendre dans des centres de détention d'enfants. J'en suis sans voix. Par la suite, la presse américaine s'est interrogée sur cet intrigant message, et le très célèbre New York Times de s'interroger sur une toute autre signification, peut-être que le « je m'en fiche complètement » était une critique de la politique menée par son mari. Par cette veste Zara, Melania Trump aurait-elle voulu faire passer un message aux Américains et s'opposer à son mari, elle qui ne porte généralement que des marques de luxe comme Ralph Lauren ou encore Dolce Gabbana? La responsable de la communication de Melania Trump a fait savoir sur Twitter qu'il n'y avait clairement pas de message caché, espérant que les médias se focaliseraient plutôt sur la visite de la première dame et non sur sa garde-robe. De son côté, Donald Trump a également voulu prendre part à la polémique et donner sa version des faits. Pour le président des États-Unis, par ce message, sa femme a souhaité s'adresser aux médias et plus particulièrement aux fake news. Elle seule connaît la vérité. This is not a joke. Melania Trump wore a jacket to visit child detention center that read, I really don't care. Do you? I'm actually speechless. I really don't care, do you? Written on the back of Melania's jacket, refait to the fake news media. Melania is learned how dishonest they are, and she truly no longer cares. Biographie. Melania Trump est une célèbre ex-mannequin américaine d'origine slovène, et la troisième femme de l'homme d'affaires américain Donald Trump. Elle naît le 26 avril 1970 à Sevenica, alors en Yougoslavie, d'un père garagiste, et d'une maman styliste. Brillante élève au lycée, elle n'en débute pas moins très tôt le mannequinat. À 16 ans, elle commence à défiler sur les podiums et, à seulement 18 ans, elle signe son premier contrat avec une agence milanaise. La jeune femme s'oriente vers des études d'architecture dans la réputée université de Ljubljana. Parallèlement, elle devient l'un des mannequins les plus en vue, les grands couturiers d'Italie et de Paris s'arrachent ses services.
courtisée aussi par les photographes, dont Helmut Newton, elle affiche sa plastique de rêve à la une de nombreux magazines. Durant la décennie 2000, elle participe à plusieurs émissions de télévision, dont le Howard Stern Show et l'émission de télé-réalité de Donald Trump, The Apprentice. À partir de 2015, elle soutient activement son mari dans sa course à la présidence des États-Unis. Le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Côté vie privée, Melania rencontre Donald Trump lors d'un défilé de mode, en 1999. Le couple se marie dans le cadre de Rêves de Palm Beach, en Floride, en 2005, lors d'une cérémonie luxueuse. Le couple a un fils, Baron William Trump, né le 20 mars 2006.